Trends est une ouverture festive rappelant les musiques de cinéma. Cette pièce se déroule en trois mouvements. Le premier est de nature héroïque. Le deuxième mouvement offre des sonorités lyriques. Puis, la prière revient au climat du début. Le tout dans une composition au charme majestueux. Voici pour vous, sous la baguette de Jean-Claude Carman, Majestic Entrance de Best Apparent. La bienvenue à notre concert de gala ici à Rosbiderstorf au nom de l'ensemble des musiciens de la musique municipale. Natürlich möchte ich auch unseren deutschen Gästen hier ganz herzlich im Namen aller Musiker und Musikerinnen willkommen heißen. Nous vous souhaitons un excellent voyage musical qui part à l'œuvre classique, allant jusqu'au rock, tout en passant par un arrangement baroque, vous entendrez, et quelques œuvres pour orchestre et même un peu de pop. Mesdames et messieurs, comme le disait Pascal Vignard, la musique est simplement là pour parler de ce dont la parole ne peut parler. Je vais me taire et laisser la place à la musique pour le prochain morceau. Je vous prie d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements la musique municipale sous la direction de Serge Robert et Jean-Claude Carman. Le lac des cygnes, une musique sublime écrite par Tchaïkovski, raconte l'histoire d'un prince qui tombe amoureux d'Odette qui est sous le charme d'un coup d'un sortilège. Le jour, elle est un cygne blanc, la nuit, elle redevient femme. Alors que le prince veut l'épouser, le sorcier substitue sa fille Odile, un cygne noir, à Odette lors des noces. Une tempête engloutit les héros sous un lac. Voici donc Le lac du cygne, interprété en trois mouvements. Le premier, intitulé Le lac des cygnes, avec un solo au bois interprété par Sophie. Le deuxième, intitulé La danse des petits cygnes. Et le troisième mouvement, intitulé La danse du mariage. Voici, sous la baguette de Serge Brunner, Le lac du cygne. Pour orchestre d'harmonie, permet de mettre en valeur le saxophone ténor avec ses sonorités chaudes, se prêtant très bien au classique, jazz, rock ou à des rythmes latinos. Voici pour vous Sax Appeal avec notre soliste Sophie vous emmenant dans des contrées exotiques. Le compositeur russe Modeste Moussorgski a lié des amitiés très fortes qui inspirent fortement son œuvre. À sa mort, de son ami, peintre et architecte Victor Hartmann, en 1873, une exposition fut organisée à Saint-Pétersbourg, regroupant plus de 400 de ses dessins, tableaux et maquettes. Moussorgski, en visitant cette exposition, eut un élan d'inspiration et composa un cycle pour piano intitulé « Tableau d'une exposition » dont le dernier se termine avec la grande porte de Kiev que nous interprétons maintenant. C'est en 1970 que Ted Hughes écrivit le morceau « You Baroque Suite » que nous allons vous interpréter. Sa musique est mélodique et harmonique avec une certaine légèreté dans certains passages. Voici « New Baroque Suite », la nouvelle suite de baroque, avec en soliste Florian à la trompette, Marjolaine au hautbois et Manuel à la clarinette. La première partie du concert avec une marche militaire que nous allons interpréter maintenant, s'intitulant Les échos univoles. Nous voici donc dans la deuxième partie de notre programme, plus pop-rock, comme vous pouvez le voir d'après notre accoutrement. Les musiciens, levez-vous, montrez-vous comme vous êtes tous bons.
Jackie, Tito, Germaine, Marlon et Michael. Ça vous parle? Pardon? Les Jackson 5, yes! C'est tout à fait ça. Alors ce groupe, il a été fondé en 1964 à l'initiative de leur père, Joey Jackson. L'arrangeur du morceau que nous allons jouer, Takashi Oshide, c'est vraiment un peu compliqué, excusez-moi, a choisi quatre grands succès du groupe soul. I'll Be There, I Want You Back, ABC, Never Can Say Goodbye. Voici donc pour vous les Jackson 5 medley, avec en solo Lilou à la flûte traversière, Régis à la batterie et Dani au saxophone. L'interprétation qui suit vient d'une chanson groupe britannique Queen, écrite par Freddie Mercury. Ce morceau est devenu très populaire dans le monde sportif, surtout au football, où cette ballade rock entraînante est entonnée par les supporters dans les stades après les triomphes de leur équipe. Je vous laisse deviner le titre. We are the champions, exactement. Avec en solo au piano, enfin au clavier, Anaïs et à la guitare, Bruno. Le morceau qui suit est un medley permettant de redécouvrir le légendaire groupe pop-rock suédois qui a remporté le concours Eurovision en 1974. Lequel? Ava. L'arrangement de Ron Sigouette reprend quatre de leurs plus grands succès des mélodies que l'on ne peut s'empêcher de fredonner, à savoir Dancing Queen, Mamma Mia, Fernando et The Winner Takes It All. Baker Street est une originale station de métro londonienne. Elle fut en outre le lieu des débuts de la carrière musicale du guitariste écossais Jerry Rafferty, qui devient mondialement célèbre avec la chanson éponyme Baker Street. Cette chanson extraordinaire contient un solo de saxophone d'anthologie, sans doute le plus connu de la musique pop. L'arrangement pour orchestre d'harmonie contient un solo optionnel pour guitare électrique, guitare basse, ou saxophone alto, absolument génial. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, Baker Street avec Daniel au saxophone alto. Conte partiro, avec toi je partirai, est une chanson italienne créée par Andrea Bocelli, écrite par Francesco Sartori pour la musique et Lucio Carandotto pour les paroles. Andrea Bocelli l'a interprété pour la première fois en 1995 au Festival de Sanremo. Elle a connu depuis un véritable succès international. Voici pour vous, je partirai avec toi, conte partiro. J'entends bien. Marche bien de chez nous, la marche au Rennes, et que personne n'a remercié. Pas du trop loin. Pour commencer, celui qui organise toutes les marches, que vous entendez à l'extérieur le 14 juillet, ou là, toujours en début ou en fin de partie, le chef de clique Jean-Marie. Personne que vous connaissez déjà depuis longtemps et qui, je crois, était avant la plupart des musiciens que vous voyez d'ailleurs, notre sous-chef de musique maintenant, Jean-Claude Carman. Pour terminer la tournée du ciel, bien sûr, il ne faut pas oublier de chef de musique qui a préparé ce magnifique, Serge Bromer. Les habitués ont peut-être remarqué qu'il y a quelques nouveaux visages qui nous ont rejoints depuis le dernier concert de gala. Ils ne le savent pas, mais ils ont le droit de se lever. J'ai commencé par la flûte, Lilou.
au robot à marjolaine, au saxophone Christelle, et au tuner Frank Johannes. Et bien sûr, le reste des musiciens aussi pour leur travail qui peut se lever.